Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce mannequin qui est proposé par Somix, qui viendra idéalement décorer une vitrine dans une boutique d'habillage. Donc ce mannequin fait 1,75 m de hauteur. Il a la particularité de proposer une tête avec un visage vraiment réaliste. Les yeux sont bien faits, enfin c'est ce que je pense en tout cas. Et le visage est doté de vrais cils pour donner un regard plus expressif au mannequin. Le tout est livré dans un grand carton avec 6 pièces à assembler. Alors l'assemblage se fait relativement facilement et rapidement, puisqu'il suffit d'emboîter les pièces les unes dans les autres et après de faire une rotation sur un quart de tour pour fixer les pièces entre elles. Le mannequin, il repose sur un socle en verre. Et en fait, on a une tige métallique qui est située derrière le pied droit du mannequin qui va assurer la stabilité de l'ensemble. Sachant qu'après, la particularité de ce mannequin est de pouvoir orienter les bras comme on le souhaite, en tout cas en faisant des rotations au niveau des axes d'assemblage. Je vais vous montrer un peu ce que ça peut donner. Alors, je tiens à préciser que ce mannequin, c'est moi qui l'ai habillé de façon très sommaire, histoire d'avoir un aperçu du rendu une fois qu'il est habillé. Je vais vous montrer ce que ça donne d'abord en orientant les bras différemment. Donc on peut par exemple lui faire lever le bras comme ceci. Le buste, on peut l'orienter un petit peu, mais pas trop, parce que sinon il va se désolidariser donc du tronc. On peut décider de bouger la main droite du mannequin, voilà, et lui donner les allures qu'on veut. Là, donc c'est un mannequin karatéka, il est plus trop adapté pour une vitrine, mais voilà, vous avez compris le principe. Alors si je le dévêtis un petit peu, donc là, en retirant le bonnet que j'avais mis pour l'occasion, l'écharpe, et puis le haut de survêt. Voilà, on a le mannequin qui est fait de matériaux plastiques, qui est plutôt réaliste. Et je pense qu'il viendra idéalement décorer une vitrine de mode. Voilà pour cette petite présentation, en espérant que cette vidéo vous aura intéressé. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre test. Merci, à bientôt.